Les membres du Conseil régional de la consommation se sont réunis pour statuer sur le prix du pain. Écoutons ceci. Le premier format qu'on appelle le petit pain, donc, qui paie 100 grammes, donc va coûter 100 francs. Et pour le deuxième format de 210 grammes, il va coûter 200 francs. Donc voilà ce qui a été retenu aujourd'hui lors du Conseil régional de la consommation, présidé par Monsieur le gouverneur. Pour le petit pain, nous avons décidé d'agir un peu sur le poids. Le poids passe de 110 grammes à 100 grammes. Donc pour le format de 210 grammes, donc, le prix passe de 175 francs à 200 francs. Le prix de la farine a également connu une hausse. Pour la farine, elle passe maintenant de 17 950 à 20 550, soit une augmentation de 2600 francs. Pour la farine boulangère de type 55, pour la farine boulangère améliorée, donc le sac passe de 18 450 à 21 050 francs. Donc, soit également une augmentation de 2600 francs. L'avis des boulangers sur le prix du pain. Donc, on est d'accord, mais il y avait un peu de tiraillement bon d'eau, parce que c'est normal, parce que boulanger avec les services, c'est comme ça. Mais ils nous avaient proposé que 100 grammes, vous n'êtes qu'en 110 grammes, vous pouvez ramener à 100 grammes. Nous disons à 100 francs. Auparavant, c'était 110 grammes à 90 francs. On est tous fermement d'accord. Mais l'autre, c'était 210 grammes à 170 francs. Mais il y avait une tolérance qu'on vendait ça à 175 francs. Ils ont maintenu le poids à 210 grammes pour nous dire que 200 francs. Il faut faire une taille tout pour qu'il explique. Pour expliquer le temps. Parce que nous devons calculer avec le transport, avec le tarif que nous avons, que nous avons calculé sur une base de. Calcul 0,95, mais nous, on voulait 0,98 francs. Nous avons calculé, nous avons 210 grammes, nous avons 200 grammes à 200 francs. Mais vu les discussions, et vu qu'il y a une note, une tolérance de 10%, une tolérance de 10%, donc on a accepté le prix, parce que c'est les 208 grammes à 200 francs. On est d'accord sur ça. Et les 100 grammes à 100 francs, on est d'accord sur ça. Donc, djubonouni. Parce que finalement, djubonouni, c'est pris bobo, officialisé pour que vraiment, pour le bien-être de la région de Kola. Ils donnent également leur point de vue sur l'augmentation du prix de la farine. L'augmentation, mais, nous n'y parce que le payok, dans le payok. Donc, tu fais qu'un état de fond effort. Farine peut faire 25 000 francs à Kola, parce qu'on va faire 23 000 francs, 24 000, donc c'est normal. Hein. Comme le Poyoko, donc l'État a supporté le beurri, mais nous ne pouvons pas tenir. Il faut que l'État ait été fait, qu'il nous ait été fait, qu'il nous ait pour soulager la population, nous avons pris le bas. Les 2600 francs, c'est acceptable. Les producteurs du pain traditionnel ne sont-ils pas en train de peaufiner une stratégie pour augmenter aussi le prix de leur pain? En tout cas, les jours à venir vont nous édifier.